Bonjour mes chatons, bienvenue de l'autre côté du miroir. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette spéciale Noël. Donc ceci est une couronne de Noël ou ceci n'est pas une couronne de Noël. Vous l'aurez deviné, un petit serpent se cache à l'intérieur pour punir les enfants qui n'ont pas été sages, évidemment. Donc il s'agit d'un sponge cake au pain d'épices que j'ai recouvert d'une ganache lactée au caramel. Il s'agit donc de cacao Barry et Valrhona qui les font. Vous goûtez ce chocolat parce qu'il est vraiment très très bon. Sur laquelle j'ai poché donc une crème au beurre à la pistache en forme de feuille. Et j'ai ensuite décoré avec des boules en candy melt, des sablés en pain d'épices, un petit nœud et une langue en pâte à sucre. Et j'ai également réalisé des yeux en candy melt que j'ai peint avec de la peinture alimentaire. Donc je vous invite à regarder le tuto, à vous rendre sur quiavolélétard.com. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes et puis on se retrouve en janvier.